Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga, yoga vinyasa, yoga assez fluide. On va dire un petit peu dynamique. C'est pas le yoga des plus doux qu'on va pratiquer aujourd'hui. Un yoga qui va donner un petit peu d'énergie, qui va réveiller un petit peu votre énergie. Du coup, si vous êtes bien, on va commencer assis en méditation. Si vous préférez venir dans la posture de l'enfant, je vous la remontre au cas où. Si vous préférez venir en posture de l'enfant, vous savez, cette posture où on espace les genoux, où on s'assied en arrière. Et on étire le dos en avant parce qu'on a besoin un petit peu de faire le point sur soi-même et d'avoir une posture vraiment plus coucou, plus fermée. On n'hésite pas. Si on n'est pas dispersé par son environnement, si la position assise est confortable, peut-être qu'on reste assis en tailleur. Et on voit, soit on croise donc les tibias pour être dans un tailleur, donc les genoux sont au-dessus des pieds, soit on ouvre un peu plus les genoux et on vient mettre les pieds devant le bassin. Et on n'hésite pas à s'asseoir si on a besoin sur un petit coussin. On va venir placer les mains sur les genoux, fermer les yeux et étirer la colonne. On va faire trois petites respirations. On essaye de sentir les côtes qui s'ouvrent, le ventre qui se dilate quand on inspire. Et quand on souffle, on sent l'air qui ressort de soi sans laisser la colonne s'effondrer sur elle-même, sans laisser le buste se refermer à l'avant. À nouveau, on inspire, toujours par le nez. Et on expire à nouveau par le nez. On en fait un dernier. Puis à présent, on essaye de garder la concentration donc sur les respirations. De voir un petit peu comment est le corps, s'il y a des zones qui sont un petit peu endormies. S'il y a des zones qui sont pleines d'énergie, s'il y a des endroits qui sont peut-être un petit peu douloureux, on essaie de prendre en compte tout cela pour sa pratique. On va essayer de garder les yeux fermés, on va se placer en chien tête en bas, toujours en gardant les yeux fermés pour essayer de sentir un petit peu les ancrages, c'est-à-dire les points d'appui, donc les mains, les genoux, les pieds, ce qui vous lie au sol. Puis quand vous aurez soulevé les genoux, il n'y aura plus que les mains et les pieds. Et on essaie de sentir, est-ce qu'on sent sa posture équilibrée entre la droite et la gauche? Est-ce qu'on sent la posture équilibrée entre l'ouverture que vous avez sur toute la peau à l'avant du buste, depuis le pubis jusqu'au menton environ, et l'étirement qu'il y a à l'arrière des jambes? Si on ne sent que les jambes, on les plie un petit peu, on ouvre la poitrine et le nombril vers le sol, souvent. Je vous parle de la poitrine, mais des fois on a tendance à garder un petit peu le bas du dos aussi arrondi. Donc essayez de vraiment venir ramener le nombril vers les cuisses et de monter, de tourner, plutôt de pivoter le coccyx vers le plafond. Détendez les mollets. Retrouvez les mêmes respirations. Le ventre, la cage thoracique qui s'ouvre et lorsqu'on souffle, l'air qui s'expulse de son corps. Puis ensuite, on va réouvrir les yeux. Si on les avait ouverts avant, aucun problème. Et on regarde. Est-ce qu'on est plutôt aligné ou non sur son tapis? Est-ce qu'on a besoin de décaler un petit peu? On active un petit peu plus les doigts, le bout des doigts. Plus appuyé dans le sol. Et on voit. Est-ce qu'on est bien dans cette posture? Est-ce qu'on commence à s'y sentir confortable, c'est-à-dire dans laquelle on pourrait y passer plusieurs minutes, sans que ça nous sollicite trop d'énergie? Ou est-ce qu'on sent que ça demande encore beaucoup d'énergie dans les bras, dans les épaules? Juste pour savoir où on en est pour soi-même. Vous allez inspirer, venir dans la planche, avancer les épaules au-dessus des poignets, regardez entre vos mains. Et étirez la colonne, sortez de plus en plus la tête d'entre les épaules. On souffle, on plie doucement les bras. On ne perd pas le gainage que l'on a, on ne laisse pas le bas du dos avancer. On laisse les bras se plier. Peut-être qu'ils vont se plier un petit peu, il faudra ensuite poser les genoux. Peut-être qu'ils vont se plier un peu plus. Toujours la tête sortie entre les deux épaules. Posez le bassin au sol. Inspirez cobra, retournez vos pieds.
Étirez les chevilles, le devant des cuisses, la peau à l'avant du ventre, la peau entre les deux épaules, la gorge. En expirant, on remonte un chien tête en bas, on fléchit de nouveau les chevilles, le bassin en arrière, montez le bassin en plafond. Retrouvez les respirations calmes, on va le faire deux petites fois de plus. Inspirez, regardez là où vous allez amener votre poitrine. Étirez, les talons en arrière, la tête en avant. Expirez, pliez doucement les avant-bras. Posez le bassin au sol. Réinspirez cobra. Allongez les jambes. Expirez, chien tête en bas. Quand vous êtes prêt, quand vous voulez, quand vous le décidez, dernière fois. Inspirez, planche. Expirez, pliez. Descendez au sol, marquez l'arrêt avant le tapis ou posez directement le corps au sol, vous le voyez. Réinspirez cobra. Peut-être un demi-cobra, d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré non plus. Peu importe que vous soyez dans un demi ou dans un haut cobra, fermez vos coudes et tirez-les en arrière pour éloigner la tête en avant et les épaules en arrière. Et on expire, on remonte en chien tête en bas. Et on s'y installe dans ce chien tête en bas. On essaie de voir si on se sent avec un petit peu plus d'énergie que tout à l'heure. On va terminer avec la torsion du chien tête en bas. Lorsque vous serez prêt, on va commencer avec la main gauche pour une fois. Sinon, je vous fais commencer avec les droites. Donc aujourd'hui, on va essayer de commencer tout à gauche. Si j'arrive à en souvenir à chaque fois. On va enlever la main gauche et amener donc la main gauche sur l'extérieur de la jambe droite. Cuisse, peut-être mollet, peut-être la cheville. Vous allez regarder donc sous le bras droit. Et on essaie de vraiment tourner les deux épaules vers la droite, comme la poitrine. On continue à repousser le sein avec la main droite. On ne laisse pas les épaules avancer vers l'avant. Le bras vous repousse en arrière pour vous aider le bassin plutôt vers les pieds. Reposez la main gauche. Ça va vous aider à ne pas avoir trop de poids sur le seul bras qui vous reste au sol. On fait à droite, on enlève le bras droit. On attrape l'extérieur de sa jambe et on tourne les épaules. Cette fois-ci vers la gauche. Je sais, vous avez envie de travailler sur la torsion, mais continuez à travailler sur l'autograndissement de la colonne. Le bassin qui s'éloigne vers le haut et vers l'arrière. On repose la main droite. On inspire. En soufflant, on regarde en avant et on amène les pieds en avant. Entre ces deux petites mains. On étire la colonne vers le sol. On essaye de terminer la grande flexion. Souvent, on a envie de rester là. Essayez d'entrer dans la posture. Mettez les mains un peu plus à côté des pieds. Étirez de plus en plus la colonne vers le sol. Plantez les talons dans le sol. Éloignez le coccyx à l'opposé des talons. Rapprochez le buste de vos jambes. Gardez les bras, la colonne active. On évite d'être tout relâché. On reste actif. On place les mains devant les mollets ou devant les pieds si on est plus souple à l'arrière des jambes. Et on inspire en demi-flexion. On cède des mains pour repousser la colonne en avant. On évite de creuser le bas du dos. On évite d'arrondir le haut du dos. Pour cela, on essaye de éloigner le nombril du pubis. La poitrine un peu plus en avant. Et souvent, ce sont les épaules qu'on laisse pendre en avant. Les épaules, ramenez-les et vers l'arrière et vers le haut. Sans exagérer. Sans avoir des mouvements non plus, vous savez, bruts. Toujours des mouvements doux. Et on souffle. On retourne dans la grande flexion. Vous voyez là, j'ai les fesses un petit peu en arrière de mes talons. Essayez de vraiment avancer les fesses au-dessus des talons. Ça va être plus exigeant pour l'ouverture à l'arrière des jambes. On inspire, on vient debout. Redressez-vous, montez les bras. Ouh, excusez-moi. Étirez le dos, la colonne vers le plafond. Et on expire, on joint les mains en namasté, les mains au niveau de la poitrine.
On va faire une salutation, inspirez, montez les bras, soit par l'avant, soit par les côtés. Selon vos épaules, ce qu'elles ont envie comme ouverture, ce qu'elles apprécient, on expire, pliez dans le bassin, étirez la colonne loin vers l'avant. Regardez vos pieds, mettez les mains à côté des pieds, terminez la grande flexion, venez chercher le buste contre les jambes. Inspirez, demi-flexion, mains aux chevilles, colonne vers l'avant. Les jambes qui peuvent être fléchies si besoin. Expirez, grande flexion. On pose les mains fermement au sol, on plie les jambes si besoin. Planche, reculez les pieds, droite, puis gauche. Et là, réouvrez la cage thoracique, éloignez la tête vers l'avant. Et on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. Soufflez, pliez les bras. Posez le bassin au sol, marquez l'arrêt si vous voulez au-dessus du tapis. Étirez les chevilles. Inspirez cobra. Cherchez de l'ouverture à l'avant. Expirez, chien tête en bas. Inspirez. Soufflez, regardez en avant, amenez les pieds. Grande flexion. Réinspirez, demi-flexion. Grande flexion, expirez. On vient debout, inspirez, expirez en namasté. On en fait une seconde. Réinspirez et expirez, grande flexion. Demi-flexion, inspirez. Peut-être que l'on peut aller un peu plus loin dans les amplitudes de chacune de postures. On sent peut-être le corps qui est davantage pris. Grande flexion, expirez. Planche, inspirez. Vous allez rester dans la planche. Replacez l'auto-grandissement du dos. Sentez comment est le ventre. Les pieds vont vraiment pousser vers l'arrière. Le ventre, vous sentez qu'il est rentré. Le ventre n'est pas tout relâché. On va le garder engagé. Donc, rentrer mais sans durcir, vous savez, mais vraiment retenu à l'intérieur. On va le garder pour le cobra. Expirez, pliez doucement les bras. Posez le corps au sol. Le ventre reste retenu à l'intérieur. On ne relâche pas la sangle abdominale. Étirez les chevilles. Inspirez, cobra. Toujours avec ce ventre retenu pour étirer la peau du ventre. On évite de relâcher le ventre. Peut-être qu'on monte un peu plus haut dans son cobra. Mais toujours le ventre comme s'il était gainé en planche. On n'a pas le ventre qui se relâche vers le sol. Expirez, chien tête en bas. Une inspiration. Réexpirez, grande flexion. Terminez la grande flexion. Réinspirez, demi-flexion. Expirez, grande flexion. Et on vient debout. Inspirez. Et expirez en namasté. On va commencer avec les triangles. Donc vous pivotez. De profil, enfin, face à moi, mais de profil sur votre tapis. Vous écartez les pieds très larges, souvent les écartes pas assez. Voyez votre bassin. On a à peu près 3 fois la taille du bassin entre les 2 pieds. Pour l'instant, regardez mes pieds, ils sont bien fermés. On va en ouvrir qu'un seul. On va faire la jambe gauche. Aujourd'hui, on commence tout à gauche. Donc, on tourne son pied gauche ouvert sur le côté. Le bassin ne part pas avec. S'il est parti, on le ramène face à moi. Le pied, il est vraiment, cette fois-ci, par rapport à l'autre, perpendiculaire. Il est complètement de profil, comme vous. Vous allez inspirer, bras parallèles au sol. Vous imaginez quelqu'un qui vous tire par la main gauche. Et les hanches, au contraire, vont partir vers la droite pour étirer les 2 tailles. On n'a pas pincé celle-là. On étire les 2 tailles à droite et à gauche. On inspire. Peut-être qu'on se fait étirer un peu plus en soufflant. On va poser la main sur le tibia, on évite le genou, sur le tibia. On va monter le 2e rang au plafond, on va essayer de continuer à glisser la main vers le sol. Une fois qu'on y est, peut-être qu'on a plié un petit peu la taille pour glisser la main vers le sol. On repousse davantage les fesses à l'opposé. On essaie vraiment d'imaginer le bassin qui part loin des épaules. On regarde la main du ciel, si on peut ça pour les cervicales. On est léger dans la main de sol. Inspirez.
on souffle, on pose la main droite au sol, on tourne le pied gauche de nouveau vers l'avant. Le buste passe entre les deux jambes et on vient essayer d'aller chercher l'arrière des chevilles avec les jambes, avec les mains pardon, pour venir étirer la colonne vers le sol et comme si le buste voulait passer entre les deux jambes. Comme dans une grande flexion, gardez le buste actif. Profitez de cette posture de fermeture, cette flexion avant, pour récupérer un peu d'énergie. Les triangles, généralement, ça vous demande beaucoup d'énergie. Quand vous êtes prêt, on fait l'autre jambe. Mettez les mains au sol. On va partir du sol, comme ça vous allez voir la différence. Tournez le pied droit, complètement ouvert à droite. Mettez la main droite, donc sur la cheville, puis tout à l'heure on l'a mise sur la cheville. Si vous l'avez mise devant votre pied, pas de souci, vous la gardez devant le pied. Mais tout à l'heure, on l'a laissée sur la cheville. Amenez le buste vers votre jambe droite. Tournez les épaules en ouverture. Montez le bras gauche cette fois-ci vers le plafond. Est-ce que vous sentez plus à l'aise d'être rentré dans cette façon-là que dans l'autre? Essayez de voir pour vous. Le genou là, vous voyez mon genou il part un petit peu en arrière. Essayez de le garder bien dans la ligne. Et on continue à étirer la taille du sol. Inspirez. Regardez vers la main de ciel pour vous aider à garder l'ouverture des épaules. Elles sont alignées l'une au-dessus de l'autre. Le bassin essaie de venir vers l'avant alors que les épaules essayent de reculer vers l'arrière. Inspirez, on souffle, on pose à nouveau main gauche au sol pour céder, on pivote le buste entre les deux jambes, on referme le pied gauche, pas de grande flexion cette fois-ci, vous gardez les mains sous vos épaules, le dos se fait comme dans une demi-flexion, plat, parallèle au sol. Je vais vous montrer deux profils après. Vous tournez les épaules de nouveau à gauche et vous élevez le bras gauche vers le plafond. Soit ici, soit on fait la relation avec le bras comme une aile cassée dans le dos. Ça vous évite de tirer dans l'épaule, de vraiment trouver la torsion dans le dos. Hop. Là, j'ai refermé un petit peu mes jambes. On évite de s'écraser dans la main qui est au sol. On essaie d'avoir le dos parallèle au sol. S'il est un petit peu plus bas, pas de problème. Mais toujours une colonne alignée, pas de dos rond. Que ce soit en haut du dos, en bas du dos. Tirez toujours la tête très loin du bassin. Et donc, on ne s'effondre pas dans la main du sol. Elle nous aide à soutenir la colonne. Ce sont les muscles du dos qui vous permettent d'avoir la torsion. On souffle, on repose la main gauche et on inverse. Bras droit, soit dans le bas du dos, soit au plafond. Tournez les épaules à droite. Le bras ne constitue que l'extension de votre épaule. Le bras ne va pas en arrière de l'épaule, il reste dans sa ligne. Inspirez. On souffle, on repose le bras droit au sol. Et une dernière fois, attrapez les chevilles et étirez la colonne vers le sol. À nouveau, cette grande flexion qui vous permet de récupérer l'énergie. Tournez vers un pied, si vous voulez, droite ou gauche. Et on va refermer les pieds dans une grande flexion avec les jambes serrées. On va venir dans la chaise. Donc, vous allez pouvoir plier les chevilles, les genoux et le bassin. Et inspirez, vous redressez dans la chaise. Les genoux sont à peu près au-dessus des orteils pour avoir une petite flexion dans les chevilles. Le bassin est derrière les talons. Souvent, on n'a envie d'aller que les fesses en arrière. Fléchissez aussi un petit peu vos chevilles. Les pieds sont connectés, ils se touchent entre eux, l'intérieur des chevilles aussi, l'intérieur des genoux aussi. Étirez le dos, la colonne vers l'avant. Inspirez. On vient dans la torsion, mettez les mains en namasté. Amenez le dos parallèle au sol.
fléchissez peut-être un peu plus les genoux. Je vais pivoter vers vous, mais vous pouvez faire l'autre côté en premier. Vous commencez à droite ou à gauche. Si vous faites, par exemple, vers la gauche, c'est l'extérieur du bras droit qui vient contre l'extérieur du genou gauche. Regardez vos genoux avant de pivoter. Ils sont ensemble. Il n'y en a pas un qui est devant l'autre. On les garde ensemble. Tournez les épaules, le regard vers la gauche. Et vos épaules ne remontent pas vers les oreilles. Descendez les épaules. Sortez la tête de votre cou. Inspirez. On va venir dans la chaise en équilibre. On va venir décroiser doucement le buste. Pliez un peu plus les genoux. Venez en équilibre sur les pointes de pied. Et là, redressez votre dos, avancez les genoux, avancez les fesses, redressez le dos. Gardez les mains en avant si vous avez envie, mettez-les en arrière, soit on attrape les coudes, soit on les place en namasté dans le dos. Que l'on ait l'un ou l'autre, on ouvre sa cage thoracique en avant. Puis on essaye de ressentir ses pieds, les chevilles. On essaye de ne pas les laisser s'éloigner l'une de l'autre. Sinon, c'est vraiment qu'on profite de l'équilibre en se relâchant sur ses appuis. On essaye de rester actif, de venir coller de plus en plus l'intérieur des chevilles, l'intérieur des jambes, l'une contre l'autre. Ça veut dire que ça va être plus actif dans les pieds pour trouver l'équilibre. Vous pouvez être en équilibre aussi en étant plutôt sur l'extérieur du pied, en laissant les talons, vous savez, se séparer. Mais là, vous êtes vraiment dans un équilibre passif. Inspirez une dernière fois. On va revenir dans la chaise haute avant de venir dans la chaise en torsion. Posez les talons, redressez le buste et étirez les bras vers le plafond. Je vous refais placer dans cette chaise-là avant de faire la torsion. Comme ça, vous allez bien vous y placer. On regarde, les pieds sont toujours ensemble, les genoux sont toujours ensemble. Inspirez, redressez le regard s'il est tombé. En soufflant, main au centre. Penchez beaucoup plus le buste, tournez les deux épaules, donc cette fois-ci de l'autre côté, peut-être comme moi, le coude gauche contre l'extérieur du genou droit. J'appuie le coude contre le genou pour tourner un peu plus les épaules, je sors la tête des épaules et j'éloigne en plus les épaules de ma tête. Et peut-être qu'on a un petit peu tendu les jambes, donc on plie davantage les genoux. Inspiration, en soufflant, tendez doucement les jambes, décroisez les épaules, attrapez l'arrière des chevilles, restez dans cette grande flexion fermée, fermez les coudes au niveau des genoux, étirez le dos vers le sol. Normalement, vous sentez un petit peu l'énergie, un petit peu la chaleur dans le corps, après les triangles des chaises sont des postures qui réveillent beaucoup l'énergie. On pose les mains au sol, on va venir en planche, peut-être en marchant, peut-être en faisant un léger saut, comme vous appréciez. Et on expire à nouveau, on plie doucement bras, on marque peut-être l'arrêt, on pose peut-être directement le bassin avec retenue au sol, étirez les chevilles, gardez le ventre engagé, cobra, inspirez, peut-être un demi-cobra, peut-être davantage d'ouverture, les épaules à nouveau qui s'éloigne des oreilles. Et on expire, chien tête en bas. Doucement les genoux, venez dans la posture du chou, gardez le bassin au-dessus des genoux, avancez les mains quelques centimètres en avant, puis ouvrez la poitrine vers le sol, espacez un peu plus les mains si vous sentez les épaules qui vous gênent.
Essayez d'arrondir le bas du dos pour ouvrir de plus en plus la poitrine vers le sol. Vous restez le temps que vous voulez dans votre posture du chiot. Et normalement, vous êtes dans la posture du chiot, après vous pouvez tout doucement vous replier dans la posture de l'enfant quand vous le voulez. Si vous êtes bien, vous pouvez rester dans la posture du chiot. Quand vous repliez dans la posture de l'enfant, vous gardez l'étirement que vous avez dans le buste en gardant les mains en avant et vous essayez de ramener le bassin assez loin en arrière. Puis on pose le front au tapis. On va passer 5-6 respirations. Si on est resté dans la posture du chiot, on y reste. Si on a envie de faire 2-3 respirations dans la posture de l'enfant, on n'hésite pas à nous rejoindre dans quelques instants. Quand on est prêt, on redresse la tête. Vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. On va faire la planche retournée, la planche inversée. Donc, pour faire cette planche, vous allez démarrer jambes tendues. Et s'il y a besoin, on fera un aménagement avec la variation de jambes fléchies. Donc là, on engage les jambes, on les étire jusqu'au bout, jusqu'aux chevilles. Et là, souvent, on va avoir envie de ouvrir les jambes une fois qu'on va avoir le bassin levé et d'avoir les pieds qui roulent sur les côtés parce que ce sera plus facile. Vous essayez de garder comme dans la chaise les deux intérieurs de cheville qui viennent l'une contre l'autre. Vous mettez les mains derrière les épaules, les doigts plutôt vers les pieds. Si les poignets ne veulent pas être dans ce sens, vous pouvez les mettre dans l'autre, mais évitez d'avoir les coudes du cou, vous savez qu'il y a une hyperextension. On essaie de garder les bras quand même engagés. C'est pour ça que moi je préfère vous les mettez comme ça les bras ne vont pas partir. Appuyez les talons dans le sol. Déjà, ouvrez les épaules en arrière. Inspirez, soulevez le bassin. Essayez de monter le bassin vers le haut. Et là, rappelez-vous, pas les jambes qui s'ouvrent. Gardez l'intérieur des cuisses engagées. Ramenez les épaules en arrière. Montez le sternum vers le plafond. Regardez vers le plafond. On essaye 2 respirations. Et donc, si on a besoin, la variation aménagée, pardon, j'ai oublié de vous montrer, c'est avec les pieds au sol et le bassin qui monte vers le plafond. Ce sera plus facile. Puis, on repose tous le bassin. Étirez de nouveau les jambes, fléchissez les chevilles cette fois-ci. Installez-vous sur le bas de vos fesses. Tirez un peu la peau si vous avez besoin, comme moi. Inspirez, dépliez colonne et bras vers le plafond. On vient dans la pince, expirez, avancez le ventre. Attrapez ce qui vous vient sous la main, pied, cheville, peu importe, même si on est là, pas de problème. On va essayer de travailler avec la colonne alignée sur elle-même, d'avoir la flexion dans le bassin, de ne pas laisser le devant du buste se tasser, se replier sur lui-même. Même si vous êtes dans une petite amplitude, pas de problème. Étirez le dos, étirez l'arrière des jambes. Ramenez les épaules en arrière. Si vous avez un petit peu arrondi le dos, ce n'est pas grave. Mais une fois que vous êtes dans votre posture, plutôt que de vous relâcher de plus en plus, essayez de continuer à ouvrir l'avant, à redresser l'arrière du dos.
les redresser le plus. On plie la jambe gauche. Attrapez le pied, comme ça vous permet de ramener le pied le plus proche possible. Si on plie la jambe juste avec sa jambe, souvent il s'arrête bien avant. Avec le pied, vous pouvez chercher plus d'amplitude. Vous allez mettre du coup mettre la main gauche derrière vos fesses. J'y tiens, sinon on la met là et on s'effondre un peu en arrière. Inspirez, montez le bras droit au plafond. En soufflant, vous allez mettre le coude. Essayez de ne pas garder, vous savez, là vous allez avoir l'épaule qui va vous gêner. Essayez de descendre un petit peu le coude pour descendre votre épaule. Et de tourner les épaules donc vers la gauche. Gardez la jambe avant active qui s'éloigne de vous. Gardez la colonne en extension. Regardez par-dessus votre épaule arrière. Inspirez. Et on inverse. Soufflez. Décroisez les bras. Inversez les jambes. Mettez la main droite derrière vos fesses, redressez le dos, inspirez, montez le bras gauche au plafond. Soufflez, tournez les épaules à droite. Placez le coude, essayez de descendre le coude devant la cuisse pour vous permettre de descendre l'épaule. Si elle est là, ce n'est pas très grave, mais c'est juste, ça peut vous gêner, ça peut en plus faire quelques petites tensions dans les cervicales. Donc on descend. Si ça ne passe pas, n'hésitez pas à éloigner un petit peu le pied. Comme ça, vous avez plus de place pour le bras. Et à nouveau, la jambe avant. On continue à l'activer. Soufflez, décroisez. Et venez vous allonger sur votre dos. Une fois que vous serez allongé sur le dos, on va venir dans le pot. Donc vous posez les pieds au sol, les talons assez proches des chevilles. Bras au sol. Vous allez monter le bassin au plafond. Vous allez entrelacer les doigts sous le dos. Vous êtes chez vous. Si vous avez besoin, vous mettez un coussin sous les fesses. Vous avez une posture très restaurative, c'est-à-dire qui vous demande peu d'énergie. Vous ramenez un peu plus les épaules l'une vers l'autre. Et peut-être qu'on va essayer de monter un peu plus haut. La poitrine en poussant les pieds pour amener le buste vers soi. Évitez de pincer le lombaire pour monter en haut. Appuyez les pieds pour tout ramener plutôt vers vous. Les mains comme si elles voulaient toucher les talons. Inspirez. Expirez. On fait une dernière respiration. Bien poser le bassin. Et on va venir dans la chandelle. Donc vous allez tendre les jambes au plafond. Si vous n'avez pas envie de soulever le bassin, soit les mains, soit quelque chose, un nouveau coussin sous le bas du dos, pas de problème. Sinon, on va venir enrouler les fesses et monter les jambes vers le plafond. Et on essaie de venir de plus en plus en appui sur les épaules. Vous allez essayer de juste écouter ce que je vous dis, de ne pas tourner la tête comme je viens de faire. Parce que quand on est dans les postures comme ça, on appuie sur les épaules. On évite de tourner la tête, puisqu'on a tout poids sur les cervicales, sur les épaules. Essayez de donner de la longueur dans les jambes. Essayez de venir ramener le bassin vers vous. Alors que les talons, les pieds, eux, ne veulent pas aller au-dessus de la tête. Ils ont envie d'aller vers l'arrière, vers les fesses. Et de plus en plus que vous allez rester dans cette posture, vous allez pratiquer, vous allez pouvoir de plus en plus souffler une grande partie du dos. On descend doucement les jambes en charrue, les pieds derrière la tête. Peut-être qu'on enlève les mains sous le bas du dos, que les pieds soient au sol. S'ils ne sont pas au sol, vous pouvez le fermer. Soyez attentifs, faites attention à ce que vous faites.
soit les mains à plat au sol, soit les doigts entrelacés comme je fais. Toujours des bras actifs. Un bassin qui ne s'effondre pas sur lui-même. Continue à monter les fesses vers le plafond. Si vous avez besoin, vous savez que vous pouvez toujours sortir en avant. Et sinon, quand vous voulez, vous restez peut-être encore d'une ou deux respirations. Quand vous le voudrez, vous allez pouvoir venir dérouler doucement la colonne au sol. Remettez les mains sous le bas du dos ou gardez les mains au sol. Et venez doucement dérouler la colonne au sol. Gardez les genoux un peu avec vous. Posez les pieds au sol si vous préférez. Restez quelques respirations. Ouvrez les bras au sol. Laissez les deux genoux aller à droite ou à gauche. Gardez le regard vers le plafond. Relâchez les jambes, le dos, les épaules. Soufflez pour amener les jambes au milieu. À nouveau, une respiration et en soufflant les deux jambes à l'opposé. Et on va terminer avec les pigeons. Vous allez mettre la cheville droite sur le genou gauche. Ouvrez votre genou droit. Attrapez la jambe gauche. Laissez la colonne profiter de tout le support du tapis. Cheville gauche sur genou droit, ouvrez le genou gauche sur le côté, ramenez les jambes derrière.
décroisez les jambes. Voyez si vous avez besoin de terminer le cours allongé au sol. Si vous préférez prendre un instant en méditant, les jambes croisées, les yeux clos, à nouveau les mains sur les genoux. Vous voyez, soit allongé au sol quelques instants, soit assis en méditation. Essayez de se concentrer seulement sur ces souffles. On peut commencer doucement à peut-être ramener les genoux sur le ventre et à se verser. Ceux qui méditent, placez les mains en salut, en namasté. Prenez un instant pour remercier. Et réouvrez les yeux quand vous serez prêt. Merci pour la séance. Si vous avez des questions, vous les mettez en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à